l'idée quand même de cet échange, ce n'est pas une vraie table ronde. On voulait avec Antoine discuter d'un sujet qui nous est cher, qui est de dire finalement, sur ces questions des terres, il y a deux écoles qui aiment travailler ensemble, qui ont envie de travailler ensemble et qui commencent à travailler ensemble. Et au-delà de ça, les approches qu'on a des questions des terres inertes, des terres urbaines, sont différentes. Alors, Antoine estimait qu'il a un regard très particulier sur le sujet. Il discutait souvent avec Henri Bavard et du coup, qu'il trouvait des points de convergence et quelques points de divergence. Et l'idée, c'était d'essayer de les creuser, de voir comment on peut faire converger nos approches. Et en échangeant, parce que je ne peux pas dire ce qu'allait dire Antoine à sa place, alors en préparant avec Henri, on s'est dit peut-être on ira plus sur une discussion autour du génie urbain, du génie écologique et du génie paysager. Et l'intervention de Loïc tout à l'heure, il a abordé le sujet par une phrase que je citerai tout à l'heure, mais avant de commencer tout ce dialogue qui s'annonce passionnant et qui va durer très longtemps, je pense, mais bon, mais il ne faut pas qu'il dure très longtemps, je donne la parole à Mathieu pour qu'il se présente en quelques minutes, et ensuite, ça sera Hong qui se présentera en 5 minutes aussi. Ok, merci. Du coup, je me présente. Alors, moi, je suis Mathieu Fernandez et donc j'ai été formé ici comme ingénieur, comme Youssef l'a dit. Après, j'ai fait une thèse en fait en histoire des techniques urbanisme où justement je me suis intéressé au sol de Paris du point de vue de son évolution. Voilà, donc j'ai notamment fait des cartes de l'exhaussement de Paris en fait. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'entendais la communication de Loïc, ça m'y faisait beaucoup penser. Je me demandais d'ailleurs si vous faisiez des cartes de ce que vous faites pour la. Pour les générations futures. Ouais. Ok. Ok, bah super. Voilà, bah du coup, moi, je cherchais ce genre de données pour les siècles passés à Paris. Voilà. Et après cette thèse, j'ai fait donc un postdoc, comme pas mal de jeunes chercheurs, sur le métabolisme urbain. Et donc, dans le métabolisme urbain, j'ai rencontré plutôt la communication directe qu'il y avait entre justement ce sol rencontré par exemple dans un projet d'urbanisme et les grandes questions urbaines que sont les grands flux en fait qui nous intéressent directement aujourd'hui, qui nous réunissent, donc ces fameux dizaines de millions de tonnes de terre qui bougent dans la ville et qui en fait ont une interaction permanente avec le projet d'urbanisme, combien on va mettre de béton, combien on va enlever de terre, comment c'est géré avec des flux de camions qui relient les deux. Voilà. Donc dans le métabolisme, j'ai rencontré voilà, la communication directe entre ces deux sujets. Voilà. Et je ne veux pas prendre trop de temps. En fait, je me disais, là où j'aurais aimé communiquer, enfin, peut-être apporter quelque chose, c'était un mot-clé, je pense, une analyse en fait, qui me paraît intéressante pour pas mal de sujets qu'on aborde. C'est la notion d'industrialisation, en fait, dont on ne parle pas trop, mais qui me paraît vraiment centrale en ayant justement fait du métabolisme et de l'histoire. Moi, j'ai l'impression de le voir apparaître. Donc, par exemple, l'an passé, au dernier colloque, André Guillerme nous avait prévenu que chaque siècle, on décuple les quantités de terre sur au moins 3-4 siècles. Voilà. Donc multiplié par 10 tous les siècles. Et donc c'est directement lié à cette notion d'industrialisation. On voit tous les premiers grands projets qui fondent le génie urbain, justement, qui commencent à déplacer des grandes quantités de terre. C'est les débuts de l'industrialisation, c'est le début du 19e siècle, avec le canal de Lourdes, par exemple, ou d'autres grands travaux, après Haussmann. On peut tout à fait le mettre dans cette catégorie. Voilà. Et donc il y a cette industrialisation, et après on peut même aller un peu plus loin et voir qu'il y a une sorte d'espace et de morphologie de cette industrie qui nous amène un peu à la situation actuelle où finalement toutes les grandes industries extractives, elles sont parties très loin. Enfin voilà, on a largement délocalisé. Et du coup, ce qui met d'autant plus l'accent sur les terres, en fait, parce que c'est la dernière industrie ultra locale, en fait. Donc, en étudiant le métabolisme, j'avais fait des petits calculs et on voit que là, en extraction, on est à peu près à, si je me trompe pas, à peu près à 200 km autour de la ville, et en décharge, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas en dépôt, élimination ou valorisation, on est à environ à 50 km. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant avec les terres, c'est que c'est en même temps cet effet de l'industrialisation qui n'a pas été délocalisé trop loin. Et toutes les obligations actuelles, en fait, nous amènent plutôt à, pour être plus vertueux, à relocaliser ce qui n'était pas encore parti trop loin,
parce que ce qui est parti trop loin, on le voit même plus. Voilà. Et donc, c'est comme ça un peu que j'interprète les choses et que j'interprète aussi la rencontre avec le génie urbain qui nous réunit, parce que le génie urbain, c'est celui qui gère en fait l'aménagement de la ville et l'aménagement de ce qui va devenir peut-être une ressource. Voilà. Merci Mathieu. Vraiment, tu nous amènes sur un sujet qu'on va aborder un peu demain avec l'équipe de Cycleterre sur la question d'industrialisation et la question multiplication des fabriques type Cycleterre dans les villes, dans la proximité. Mais je pense qu'on ne parlera pas beaucoup de cela, même, sauf si les autres participants ont envie d'aborder le sujet. Mais on parlera de génie urbain plus classique, je dirais. Voilà. Merci. Anc, si, à vous. Merci. Du coup, en fait, j'aime bien suivre cette notion d'industrialisation. En fait, moi, je suis un paysagiste diplômé de l'école du paysage de Versailles en 2010. Après, par la suite, je fais une thèse justement sur la question de réhabilitation des sites sols pollués. Souvent, c'est des sites industriels, pas le projet de paysage. Donc, c'était une recherche, action effectuée au sein de l'établissement public foncier Normandie et de l'école du paysage de Versailles. Donc, en s'appuyant sur des contextes juridiques relatifs aux sites sols pollués et la modalité de gestion de réaménagement. Donc, ma mission d'aide maîtrise d'ouvrage m'a offert l'opportunité d'étudier diverses modalités de gestion de terre issues des sites d'installation classés. Souvent, c'est des sites industriels. Donc, aussi, il y a plusieurs exemples de traitement de substrat par des paysagistes qui ont été étudiés, dont, par exemple, le projet d'Agence Terre, plusieurs. Et puis aussi, demain, vous aurez un projet de Jacqueline Hostie à Rouen, Écoquartier. Donc, dès le début de cette recherche, nous avons constaté très rapidement cette question, c'est-à-dire la valorisation de terres urbaines, qui, en lien avec diverses paramètres, par exemple, tels que l'échéance temporelle du projet, l'échelle du site et ses futurs usages. Donc, tous ces paramètres conditionnent le choix de méthode de gestion de terres excavées. Donc, pour que les terres puissent être réemployées sur site, souvent c'est dans le projet à des grandes échelles ou de petits projets, aujourd'hui on est vraiment au cœur de cette question de réemployer des sols sur site. Pour cette terre réutilisée, on trouve que la conception du projet a un rôle primordial dès le début de démarrage, de préparation, aménagement. Donc, on voit notamment les projets réussis, c'est-à-dire les projets qu'on a aujourd'hui cités. Souvent, c'est des paysagistes. L'intervention de paysagistes arrivait très tôt, dès un an de préparation de programme. Donc, elle apporte pas que les réponses spatiales, elle a aussi donné des réponses temporelles, adaptables aux conditions techniques et économiques. Souvent aussi, les paysagistes participent aussi à l'organisation des chantiers, c'est-à-dire d'un côté, il y a un ingénieur en train de traiter les sols pollués, l'autre côté, il faut en faire peut-être un peu de médiation, parce qu'en sachant que les grands projets de centaines d'hectares, ça va durer pendant 20 ans pour réaliser. Donc, on voit certains cas, il y a des maîtrises d'ouvrage sollicitent l'équipe de paysagistes afin de participer à une médiation du projet, c'est-à-dire prépare psychologiquement les grands publics ou des acteurs locaux cette transformation depuis un site dégradé ou site pollué vers un espace vert. Donc, on voit bien, c'est l'intervention paysagère, ça commence dès le début, c'est-à-dire lancement de politique de reconversion, puis on fait une conception spatiale, après dans la réalisation jusqu'à l'acceptation du projet chantier. Donc, par la suite, j'ai aussi expérimenté un peu sur des sites d'échelle plus petite, de 2 hectares. On a vu la possibilité de proposer des conceptions utilisant justement des sols faiblement impactés comme ressources pour les supports de chaussée des voies.
Certains projets, on peut aussi utiliser toutes ces terres inertes pour faire la modélisation des nouvelles formes du site, en sachant que ce n'est pas toujours évident, parce qu'il faut qu'on respecte les exigences de contrôle sanitaire. Aussi souvent, il y a des divers enjeux à prendre en compte, par exemple la gestion des débits de l'eau pluviale. Donc, pour moi, cette question de génie et paysage, ce n'est pas simplement esthétique ni technique. Il prend beaucoup plus de dialogue entre différents paramètres. On travaille souvent avec différentes compétences. C'est pour ça que chaque projet, chaque formulation de conception mettra à l'épreuve des compétences des professions multidisciplinaires qui justement chercher des solutions ensemble pour enfin puisse valoriser cette terre urbaine. Voilà, merci. Merci, donc c'est très intéressant, Henri. À vous de réagir à chaud par rapport à ces deux interventions. Ces deux riches. Et même ces trois, parce que je viens de voir la logique de Loïc Pianfetti qui était très intéressante, effectivement, juste avant. Donc je grouperai parce qu'il y a des allers-retours intéressant. Et puis je réagis aussi en tant que paysagiste, concepteur, donc voilà, avec ma propre pratique. Pardon ? On peut retirer le... Oui, comme je disais... Bon, allons-y, allez, on le retire. Pas bien. Sinon, on n'entend pas, c'est ça ? Oui, ce qu'on a vu énormément chez... l'ensemble des paysagistes, mais aussi dans les projets montrés par Loïc Pianfetti tout à l'heure, c'est le règne de la logique de site, finalement. Donc on peut parler d'infrastructures, de réseaux et autres, dominent dans vos projets que vous présentez, je peux le dire dans la plupart des projets de paysagistes, en général, la logique de site, où on révèle l'identité, on appuie, on fait un inventaire, un diagnostic, et on essaye d'aller dans le sens de... quand on parle d'identité du lieu, c'est le lieu, mais c'est aussi ses interactions avec des échelles plus larges, avec la géographie. Et je crois que vous l'avez montré magnifiquement tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il s'agit de préserver complètement cette logique de site ou pas ? On l'a vu dans l'histoire. Je n'ai pas vu tout à l'heure la présentation de Michel Audouy, mais j'imagine qu'il a présenté les travaux peut-être de Lenôtre ou autres sur comment les paysagistes négocient les pentes, le relief, comment ils s'insèrent dans le paysage. Là, on peut parler là encore d'accompagnement ou de paysage augmenté. On l'a vu récemment avec Michel Desvignes sur le plateau de Saclay. Il a la même analyse de paysage que beaucoup, et puis après il s'autorise à augmenter, c'est-à-dire il prend à partir des tendances naturelles d'un site, il va un peu plus haut quand c'est haut, il va peut-être surcreuser les parties basses sans s'implanter en contre dans le site. Au contraire, on va dans le sens d'eux et on augmente. Ça, c'est intéressant. Le deuxième qui me paraît aussi, deuxième logique, c'est encore une fois ce qui était montré par Loïc Pianfetti, puisque vous évoquez tous les deux, c'est la logique du vivant aussi. Donc comment travailler avec des dynamiques. Vous parlez de Thomas, de Mathieu, pardon, excusez-moi, j'ai dit oui, Mathieu. Mathieu de métabolisme urbain, donc vous parlez, il y a beaucoup de choses dans le métabolisme urbain, mais il y a aussi la logique du vivant, humain et le vivant, la faune, la flore, la biodiversité. Et ça, c'est un point, là encore, un trait d'union avec tous les travaux de paysagistes, que c'est ce que nous appelons, nous, chez l'Agence Terre, le sol vivant, le socle de la nature en ville, qu'on essaye de, non seulement de préserver, mais d'étendre au maximum. Donc là, c'est une logique d'extension, de faire en sorte que de marier les usages, les métabolismes, alors je vais vous prendre votre mot, les métabolismes à la fois urbains, de déplacement, avec cette logique du vivant, faire en sorte que ça paraît inconciliable, mais on y arrive, à force de travail. Ça demande beaucoup de travail, mais notamment dans des centres-villes, je pense à Barcelone, où voilà, on essaye de trouver des rapports, des croisements possibles, une coexistence possible entre les deux, en privilégiant les sols profonds, la porosité, l'infiltration de l'eau dans les terres.
Et puis, donc ça, c'est le côté nature vivante en ville. Et puis, il y a ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'exemples ici, c'est le... Il y a des penchants, enfin, moi, je parle aussi de moi, quand je parle de vous, je parle de moi, et des penchants personnels pour l'étude des paysages, non, pas uniquement sur ce qui est visible dans le paysage, mais sur des structures du paysage. Donc, et la structure, quand on parle structure, on parle du dessous et du rapport entre le dessous, le dessus, et on commence à aller au-delà du regard, au-delà du visible. Vous parliez de cartes, vous faites des études aussi sur toute une iconographie, sur des mesures. Donc aller regarder le dessous des cartes, finalement, le dessous des paysages, se rendre compte des différents niveaux de cette stratification et comment travailler à partir de là. J'ai beaucoup travaillé en Allemagne dans la Ruhr par exemple, donc tous les sites juste après où les mines avaient fermé et où il fallait réinventer même une attractivité touristique à partir de paysages miniers qui avaient été complètement, alors certains diraient dénaturés, mais qui ont été qui sont le siège d'une nouvelle géographie aussi finalement. Donc avec des terrils, avec des carrières à ciel ouvert. Et donc ce travail dessous, on préserve, on excave dessous. Et finalement, le résultat, c'est d'avoir une nouvelle géographie. Soit on a ça en horreur, on peut en avoir peur, on peut le regretter. Ou notre attitude, c'était de dire, eh ben, c'est un nouveau patrimoine. En fait, cette nouvelle géographie, il faut la considérer de manière patrimoniale, en faire quelque chose. Et ça redevient des sols vivants de toute façon, même si on ne fait rien, il y a une reconquête végétale. Donc le vivant reprend ses droits. Donc comment faire avec ce nouvel état de choses ? Il y a énormément de logique d'échange aussi de site à site quand on fait des extractions, c'est comment faire en sorte que les projets se répondent, puissent échanger de l'un à l'autre. Il y a des logiques complètement, vous parliez d'Antoine Grumbach, qu'on regrette qu'il ne soit pas là bien sûr, et des discussions qu'on avait avec lui. Il y a des logiques soit très artistiques. Donc dans certaines des logiques qu'il propose, il propose des éléments exogènes dans un paysage qui non seulement qui interviennent, qui interfèrent et qui parfois nous regardent, enfin comme c'est son fameux projet qui regarde tout en haut, surtout si on est dans un avion. Enfin en tout cas, lui, pour l'instant, je ne m'autorise pas à faire ce genre de choses. Donc je suis intéressé par ce genre d'attitude aussi, plus artistique. Ce qu'on s'autorise à faire, c'est toujours dans une logique de territoire, c'est dans des sites de reconversion. Là, je pense à Shanghai, justement, on a fait un grand parc le long du fleuve où il y avait une cimenterie à reconsidérer. Donc dans cette idée-là, les terres d'extraction peuvent finalement enrober des structures construites pour les transformer en support de jeux d'enfants, faire en sorte que ça puisse être humanisé finalement, qu'on puisse l'utiliser. Cette cimenterie devient un territoire, en particulier pour les enfants, donc un territoire d'usage urbain. Il y a tout ce qui est, vous avez beaucoup montré d'infrastructures, comment on prépare l'infrastructure, Loïc toujours. Nous, ce qu'on propose par exemple à Strasbourg en ce moment, c'est l'après-infrastructure. On a à Strasbourg, il y a l'A35 qui traverse la ville, en ce moment ils finissent le contournement. Que faire de l'A35 avec ses échangeurs, avec ses rehaussements et autres? Donc cette énorme infrastructure intra-métropolitaine, enfin en plein cœur de ville, peut être transformé grâce à l'apport de terre, notamment je pense aux échangeurs qui, là encore, comme la cimenterie à Shanghai. En fait, ça me parle vraiment parce que c'est l'inscription en fait de l'homme dans la narration du monde. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est très moins, ce qui m'émeut dans l'esthétique, ce qui m'émeut, qui arrive même à me faire pleurer, c'est quand je vois un morceau de paysage, je vois tous les hommes qui sont passés derrière. Oui. Absolument incroyable, c'est-à-dire que tu as vraiment, pour moi c'est vivant, c'est une épaisseur d'émotion et de vie. En fait, tous ces gens qui ont façonné, parce qu'ils l'ont façonné, il ne faut pas arriver. Comment on s'inscrit là-dedans? Quand tu parles des mines, par exemple, bon, ça parle aussi de l'histoire de ces gens. On doit intervenir dessus, puisque l'usage a changé, on est très bien, on a d'autres préoccupations.
il n'en demeure pas moins que garder le fil de ça et en faire autre chose, retisser par-dessus, venir rebroder par-dessus, mais c'est extraordinaire en fait. Du coup, tu perds pas cette espèce de profondeur vertigineuse en fait. Moi, c'est ça qui m'émeut. C'est pas, enfin voilà. Et ce donc, que il ne faut pas opposer vraiment, en fait. le sol vivant à la nature en fait. Quand on parle de campagne, ça n'a rien de naturel. Tout est construit, tout est, ce que tu disais, génération après génération. Il y a des travaux, ça a été manipulé, on sent la main de l'homme, et pourtant, on a effectivement des émotions, et pourtant, on est dans des éléments vivants. On traverse des champs, des forêts. De la même manière, la ville, elle est, donc, et l'infrastructure dans la ville peut être complètement intégrée, replantée, reconsidérée, enfin, réutilisée d'une autre manière. Et donc, il n'y a pas d'opposition, finalement, entre une attitude qui serait de dire « préservons tout ce qui est possible de préserver, ne touchons à rien ». Il faut simplement intervenir et faire en sorte qu'à la fin, le vivant soit préservé. On va parler beaucoup de décaper la terre, de la replacer ensuite, après avoir rehaussé, avoir combiné des différents niveaux. En fait, c'est toute l'intelligence humaine qui est là, enfin, qu'on parle de métabolisme, qu'on parle de structure des sols. Et puis il y a aussi des nécessités, des urgences aujourd'hui. Les urgences, c'est le, vous en avez parlé tout à l'heure, je crois, vous, c'était le, comment créer des digues, comment créer de nouvelles infrastructures, notamment en liaison. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est la liaison avec la levée des mers, enfin la levée des eaux. Les niveaux montent. Le niveau des mers monte, on sait qu'on a un trait de côte qui est en danger dans énormément de pays, énormément de situations. Là, on peut réutiliser complètement. Donc là, on parle aussi d'infrastructures, si on veut, de digues, de rehausser d'un mètre. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour gagner quelques centaines d'années de tranquillité. Donc on peut utiliser ces terres inertes comme des terres urbaines. Et là, ça devient vraiment un génie urbain pour éviter le risque à des populations, éviter des morts et être en phase ou anticiper même le changement climatique. Voilà, j'avais proposé, il y a tout un travail sur l'eau en général, un travail, on a énormément de gravières dans la vallée de la Seine, on avait parlé avec, c'était à une époque de travailler à Strasbourg sur des gravières qui étaient en activité jusqu'à récemment et comment les transformer en terrain de loisirs, en zone naturelle et de baignade, et donc d'avoir un travail de risberme, un travail au fond de l'eau pour que qu'il y ait une sécurité augmentée pour les populations. Mais dernière chose, excusez-moi, et après, parce que c'est... dernière chose, ce sont les matériaux. Il nous faut un sursaut technologique, c'est-à-dire transformer ces terres en matériaux, pas uniquement pour créer des plateformes, des digues, intégrer des infrastructures, mais il y a tout un travail de matériaux. On parle beaucoup aujourd'hui d'accessibilité universelle, donc repenser complètement la manière de circuler en ville, de se promener. Et ça demande, pour les fauteuils roulants, pour les personnes à mobilité réduite et autres, ça demande des surfaces lisses. Et en même temps, pour en revenir au sol vivant, on a besoin d'infiltration et autres, on a besoin de porosité. Donc là, il y a une contradiction entre porosité et le roulement, le côté, la circulation aisée. Il me semble que je ne sais pas si vous avez cette technologie aujourd'hui, mais de trouver des briques, de trouver à partir des terres inertes, fabriquer des sols qui soient à la fois poreux et suffisamment lisses pour ne pas pour aider tout le monde à se déplacer dans cette nouvelle conquête de l'accessibilité universelle, de la ville confortable pour tous. Merci. Alors, je vais essayer de réagir par rapport à un regard qui est plus un regard d'ingénieur, mais je me qualifie comme un ingénieur défroqué, en fait. Parce que finalement, dans un sens où Loïc, par exemple, tout à l'heure, utilisait une expression qui ne m'a pas choqué, mais qui m'a intrigué, que le paysagiste en chef de la SNCF voit les ingénieurs accrochés à leurs propres objets techniques, à leurs usages techniques. Or, moi, je ne m'identifie pas du tout à ça.
Je suis ingénieur, génie urbain, parce que justement, je pense que le génie urbain a tellement évolué ces dernières années pour aller dans le sens de ce que disait Henri, en disant un ingénieur en génie urbain qui est dans une municipalité, dans une collectivité territoriale, ne peut plus travailler le génie urbain comme l'a défini Claude Martinan en 1987, en disant c'est les questions des services urbains et de leur support technique qui sont les réseaux. Et il s'arrêtait là. Il n'y a plus un ingénieur qui peut raisonner de cette manière un peu... Si nos élèves, enfin nos jeunes ingénieurs sortent de l'école et ils ont cette pensée, ça veut dire qu'on a loupé beaucoup de choses. Mais je suis sûr qu'ils ne sont pas comme ça. Et ils ont un niveau très différent parce qu'ils sont formés. Ça, c'était une entrée possible, c'est les services urbains. Parce que vous avez dit ça et je voulais... Oui. Ils arrivent. Il va avoir un autre regard sur vous, un regard un peu plus respectueux de sa manière, il va vous associer et donc du coup il va ouvrir la porte et grâce à ça on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Par exemple, le pire du pire chez nous, c'est les électriciens. Ça l'a signalé aussi, c'est-à-dire que c'est une forteresse où quand on les voit, on se dit qu'on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Quand on commence à parler leur langage, en fait, on s'aperçoit comment ils raisonnent. Par exemple, les électriciens, ils raisonnent en module. Et une fois qu'on a mis les raisonnements en module, on se dit la sous-station électrique, on peut la faire plus longue, plus ronde, plus carrée. Et des fois, dans le paysage, ça peut être essentiel, y compris de la déplacer. Donc, parler leur langue, c'est permettre de faire avancer toutes les matières, y compris les matières transverses comme le paysage lait ou le génie urbain, justement. Mais pour ça, il faut parler la langue. C'est comme si vous allez dans un pays étranger, vous parlez anglais, bon, on vous écoute, vous allez au Japon, parlez anglais. Bon, au Japon, à Tokyo, il y a un gars qui parle anglais. Vous allez dans la campagne japonaise. Bon, si vous parlez quatre mots de japonais, tout de suite, ça facilite les échanges. Vous voyez, on peut aller plus loin. C'est la même chose avec les ingénieurs. C'est la même chose dans tous les corps de métier. Et en fait, il faut s'intéresser absolument aux techniques, justement. C'est un peu le nerf de la guerre aussi. Oui. Alors du coup, le mot-clé que je retiens, c'est technique. Mais sauf, effectivement, où je voulais arriver avant de vous donner la parole, c'était de dire quand même la formation des ingénieurs ouvrages d'art ou génie civil classique, il y a une notion qui apparaît très rarement, qui est la question des échelles. Vous avez, je ne sais pas si c'est qui a dit objet. Dans les écoles d'ingénieurs, dans le génie civil, on parle beaucoup d'objets. On ne parle jamais de projet ou éventuellement d'une échelle spatiale pour implémenter le projet. Ça, c'est, je pense que la force du génie urbain refondé, renouvelé, qu'on met en œuvre, c'est pouvoir dialoguer avec les autres acteurs qui sont les architectes, les urbanistes, les paysagistes. Et la convergence avec le génie écologique ou le paysagisme ou toutes ces questions peut arriver par différents termes. Mathieu a cité métabolisme, vous avez rebondi tous sur ce terme, mais on peut aussi rebondir sur ce qui a été dit par Henri, sur le dessous. Ça, c'est clairement une notion qui apparaît beaucoup dans les travaux des gens qui font du génie civil classique, les gens qui font du souterrain et de la ville aérienne. On la voit beaucoup aussi dans les projets du Grand Paris, les questions de quartier de gare et les questions du sous-sol des gares. Alors du coup, la convergence est naturelle. Un autre terme que je pouvais utiliser, c'est les questions, le modelé. Par exemple, là, cet après-midi, ça a été utilisé à plusieurs reprises, mais clairement, il y a du génie urbain, même si on est dans le rural. Ça, c'est aussi un élément très important. Alors du coup, là, je me fais le porte-parole un peu d'Antoine, qui, on disait, c'est la chaire valorisation de tierces urbaines. Par définition, c'est une chaire interdisciplinaire. Dans le sens, on arrive à dialoguer très facilement avec l'école de paysage, avec des jeunes paysagistes, avec des experts des agences de paysage, avec des maîtres d'ouvrage
qui font du paysage. Et du coup, cette convergence est fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une école d'ingénieurs s'approprie ce terme? Est-ce qu'il faut finalement arriver, là je m'adresse à Vincent Piveteaux, est-ce qu'il faut arriver à créer des diplômes ingénieurs paysagistes? Est-ce qu'il faut arriver à des diplômes paysagistes ingénieurs? Est-ce qu'il faut aller sur des questions de partage de quelques concepts de base qui peuvent être les échelles? J'ai entendu Henri parler beaucoup d'échelles, finalement. C'est quelque chose qui est fondamental pour toute réflexion qu'on peut mener, aussi bien en urbanisme. C'est une banalité que je dis pour des urbanistes, pour des architectes et pour des paysagistes, mais pour des ingénieurs, ce n'est pas une banalité de parler des échelles, de dire réfléchir sur l'objet qu'on va construire dans son contexte. Le terme contexte, on ne l'utilise pas très souvent. Alors, au-delà de cette question, je pense, là aussi, ça a été dit par Ong, c'est les questions des temporalités de projet. Souvent, là aussi, dans les questions de gestion de projet en génie, pour ne pas citer génie civil, génie urbain, génie mécanique, on fait par phase. Or, la démarche des paysagistes, des urbanistes, c'est d'aller, la phase amont est fondamentale. C'est là où on pose les poids les plus importants. Dans mon cours de génie urbain que je fais pour Degène, je dis le paradigme de la conception. C'est quelque chose qui vient de nos sciences cognitives. C'est de dire les phases amont du projet sont plus importantes que les phases finale où on va calculer les armatures, on va calculer la quantité de béton, on va calculer toutes ces questions. Et ça, c'est un élément fondamental dans les réflexions qu'on peut avoir et dans le rapprochement que cette chaire peut permettre de dire comment on peut faire pour que les paysagistes, les ingénieurs, les architectes, les urbanistes travaillent ensemble sur ces terres. Alors sur la question d'industrialisation, parce que je vais passer la parole à Mathieu, je me dis c'est un sujet très compliqué encore, parce que l'industrie a une image négative dans le monde urbain. Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? je te fais rire. Non, mais bien sûr que oui, mais après il est fort possible que bien sûr que oui, ce soit une erreur historique aussi. Je pense que c'est une idée qui nous vient des années 80-90 où on a désindustrialisé et dû gérer que les aspects négatifs de l'industrialisation qui avait porté à peu près tout depuis 150 ans. Et donc je pense que oui, les dernières années vont dans ce sens, mais l'industrie, il ne faut pas oublier que c'est ce qui permet de passer d'une extraction de ressources naturelles jusqu'à, pour faire fonctionner tout le système socio-économique, jusqu'à une éventuelle mise en décharge. Donc on ne peut pas s'en passer, c'est juste où est-ce qu'on l'a fait, et après ça devient une question morphologique, l'industrie. Voilà. Et donc pour les terres, du coup, c'est là que je pense que ça devient une question d'urbanisme, parce que c'est une morphologie urbaine, si on veut relocaliser les terres dans la ville. Voilà. J'espère que c'est clair. Mais je pense que oui, l'industrie a une image négative parce qu'on n'en a plus que les traces mortes, la pollution, et etc. Si on parle de l'industrie, souvent dans l'imaginaire des gens, le problème de l'industrie, c'est de l'industrie pétrolière. Mais l'industrie, par exemple, vous prenez par exemple les tapisseries, par exemple, c'est de l'industrie. Enfin, je veux dire, les gens adorent l'artisanat, enfin, ils appellent ça artisanat. Pourtant, c'est une industrie. Enfin, je veux dire, sauf que l'industrie telle que les gens l'imaginent, c'est l'industrie sale pétrolière. C'est-à-dire, c'est du charbon. C'est l'extraction du charbon, c'est le pétrole, c'est les bagnoles, machin. Mais je veux dire, la manufacture de sel, c'est une industrie. C'est industriel, en fait. Bon. Et sauf que c'est une industrie dont on a oublié. Mais en fait, pratiquement, les Égyptiens avaient déjà des industries. Enfin, je veux dire, c'est depuis la nuit des temps qu'on fait l'industrie. Est attachée. Alors, l'industrie du feu, parce qu'il y a l'industrie de l'eau, l'industrie du feu, il y a plusieurs. Mais l'industrie du feu, elle a tourné à carbonatation, enfin, au carbone en fait, au pétrole, etc. Et comme ça pollue, que c'est sale, que, etc., que c'est lié aussi à des maladies. Enfin, on se rappelle du fog, du smog à Londres, etc. Enfin, c'est dans l'imaginaire des gens, l'industrie, c'est forcément terrible. Mais pour autant, tout est industrie. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui tisse, je ne sais pas, même avec un métier ancien du lin, c'est de l'industrie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas, moi, contre l'idée d'utiliser la dernière industrie et d'essayer de le réhabiliter de la même manière. On va faire la distinction entre différentes industries. Ong, tu veux dire quelque chose?
Peut-être cette question industrialisation, il y a une image négative, mais pour le pays aujourd'hui en France, vous êtes en train de réindustrialiser, donc il faut essayer d'inventer et imaginer quel type de l'industrie qu'on souhaite créer aujourd'hui. Effectivement, le paysagiste pourrait largement participer. J'ai écouté ce matin l'entreprise OCT, c'est aussi une grande industrie, mais on peut faire des choses en même temps, passer cette étape, par exemple, comme si imaginons dans l'installation tous les ISDI, c'est une étape prévisoire, c'est juste une utilisation temporaire, par la suite, ça transformait comme un pack. Tout est une notion de début. Donc comment on voit cette industrie dans le cycle? C'est pas négatif pour moi. Ça se continue, l'industrie. Ça peut pas arrêter comme aujourd'hui. Ça a une autre forme, c'est tout. Voilà. Henri. Oui, je vous interrogeais tout à l'heure sur les. Comment faut-il appeler nos ingénieurs du génie urbain? Est-ce qu'ils sont paysagistes et autres? Il y a une autre notion qui est derrière tout ce dont nous discutons, c'est l'infrastructure. Pendant longtemps, là, quand on regardait une carte, on voyait beaucoup de points. C'est Paul Chemetov qui avait dit ça une fois en regardant une carte de Grand Paris, en disant je vois beaucoup de points sur la carte, en grande périphérie. Donc ce sont les architectures, donc dévolues aux architectes. Je vois beaucoup de lignes, ce sont les infrastructures, les ingénieurs. Mais que faire de tout ce blanc? Ce blanc, c'est le sol. Ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, ce sol qui est le plus vivant possible, qu'on peut transformer, qu'on va chercher en dessous, dessus. Et donc il faut peut-être transformer la notion d'infrastructure aujourd'hui. On arrive à des infrastructures paysagères, on pourrait dire ça comme ça. Donc une autre idée de l'infrastructure, c'est en partie ce qu'a montré Loïc tout à l'heure, c'est que l'infrastructure n'est plus cette ligne qu'on a sur la carte, elle s'étend, elle met en relation... Elle va chercher des constructions, elle autorise des utilisations, elle crée des métabolismes, elle nous permet d'éviter la levée des eaux et autres. Donc il y a le génie urbain, il parle de cette infrastructure paysagère et il s'adresse, oui, à des ingénieurs paysagistes, parce qu'ils doivent intégrer, tout comme les architectes ont intégré aujourd'hui, ne s'intéressent plus qu'au point, comme ils faisaient à une époque, ils s'intéressent à tout un pays, je dirais, tout un paysage, et on le voit dans l'enseignement, y compris dans toutes les écoles d'architecture, il y a l'enseignement du paysage, et de l'environnement, d'écologie, les ingénieurs aussi s'ouvrent complètement à ce domaine. Bien sûr. Donc du paysage de transformation. Oui, ce paysage de transformation, d'ailleurs, nous, le terme, je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure, mais j'aurais dû peut-être, c'est les solutions basées sur la nature. Alors, ces solutions basées sur la nature, clairement, ce qu'on avait dit sur les aménagements paysagers, qu'ils soient de petite taille ou des aménagements paysagers importants autour des grands linéaires, là, on est clairement dans les solutions basées sur la nature. C'est un terme, peut-être, on ne l'utilise pas beaucoup en France, parce que c'est un terme qui vient peut-être... Nature-based solution. Mais c'est clairement, c'est peut-être ça qui va nous permettre d'aller plus vers cette convergence qu'on aimerait faire avec les questions du paysage, d'urbanisme. Tout à l'heure, on parlait aussi en aparté du génie écologique. La relation qui peut exister entre le génie urbain et le génie écologique, ça c'est aussi, on peut avoir les questions de la biodiversité et les questions de la nature en ville, mais au-delà de ça, on peut avoir une convergence sur les questions purement techniques, les questions de pollution, les questions de remédiation, toutes ces questions qui sont fondamentales pour nos villes et pour nos villes, et ce qu'il y a dans nos villes qui sont les friches également. Voilà. Du coup, pour conclure, c'est un champ de recherche, un champ de réflexion très important où on pourra mobiliser énormément de monde autour de nos questions. La valorisation des terres urbaines et aussi autour de tous les acteurs qui peuvent être impliqués directement ou indirectement, les maîtres d'ouvrage, les entreprises bien sûr, mais aussi le monde associatif. Parce que la concertation autour des terres, je ne l'ai pas abordé aujourd'hui, mais la concertation autour des questions des terres, c'est un sujet aussi fondamental, je pense, pour que les aménagements qui sont basés sur le mouvement des terres puissent passer plus facilement dans la pratique des citoyens.
Voilà, merci beaucoup à vous trois. Et je pense que je vais passer la parole maintenant à Vincent, qui va m'aider pour conclure l'après-midi. C'est ce qui était prévu, sauf si tu n'as pas. Voilà, merci. Merci énormément. Bien, ben, c'est difficile de dire les derniers mots, à part merci pour ces échanges, merci à tous ceux qui sont intervenus. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que on a eu à travers la séquence de cet après-midi une double révélation. D'abord que cette question des terres, de déblais, de remblais, d'utilisation des terres inertes, elles viennent très loin. Donc on a eu cette mise en perspective historique. On a eu un écho entre l'intervention de Michel et celle de Galade, qui ont mis en avant finalement deux figures géométriques qui nous ont donné à réfléchir sur un vocabulaire du traitement. Michel nous a parlé de terrasse, de terrassement, les formes horizontales, si j'ose dire. Galade nous a surtout parlé des collines, des montagnes, et chaque fois, dans les deux interventions, on a vu la subtilité qu'il y avait derrière ces figures, la dimension évidemment fonctionnelle, mais aussi culturelle, symbolique. Et on a vu aussi toutes les dimensions techniques auxquelles cela renvoyait. Et donc, assez naturellement, on en vient à la deuxième élément qui ressort des interventions de Loïc et de la table ronde finale avec Henri Baba et avec Mathieu et Ong. C'est que en venant de très loin et en traversant tout le champ de la vie, voilà, toutes sortes de disciplines et différents champs, c'est une question qui amène une responsabilité partagée par tous. En fait, on a conclu sur l'économie industrielle et sur le fait que c'était quelque chose qui se faisait aussi à grande échelle, mais en même temps, ça se trouve, il y a rien de plus fondamental et qui n'engage plus la responsabilité que cette question du sol, que cette question du transport du sol, de son déplacement, et c'est un acte qui est présent absolument partout et qui doit donc nous interpeller en termes de gouvernance de façon très très prégnante, voilà. Et la conclusion, c'est que au moins une des manières de le faire, c'est en essayant de travailler à la porosité entre les disciplines, à la porosité entre les parcours. Alors j'ai eu une interpellation une de tes interpellations qui était de dire est-ce qu'il faut faire une grande fusion des ingénieurs et des paysagistes. J'en suis pas sûr, mais je pense... Pardon Vincent, j'ai pas dit fusion. Oui, non, mais... Des parcours. Non. En revanche, je suis tout à fait sûr qu'il faut qu'on multiplie les occasions de travail ensemble, de contact. Et aujourd'hui, c'est une initiative et c'est une première étape très importante. Donc merci à tous. Merci Vincent. Alors je dirais juste un mot pour finir. Je souscris bien sûr à toutes ces remarques. Par contre, il y a un élément important que j'ai découvert aujourd'hui qui était cette question qu'on a essayé d'aborder la dernière fois sur la question des symboles qui était très importante pour nos réflexions autour de la chair. C'est clairement les questions souvent d'économie circulaire, on les traite par les flux, par les questions techniques, les questions de bilan. Or, il y a d'autres choses qui peuvent se cacher derrière ces questions d'économie circulaire au-delà des questions juste physiques et questions matérielles. Parce qu'au bout du compte, les sciences humaines et sociales sont directement ou indirectement présentes dans nos disciplines.
Et je pense que c'est quelque chose qui, peut-être, dans quelques temps, quand on va parler encore des terres, on parlera plus de leur valeur symbolique qu'on parle de leur usage utilitaire et fonctionnel. Ça, c'est, je pense, c'est un élément très important. C'est pour ça que je disais à Galad à la pause que je m'inspirais beaucoup de ses écrits pour essayer de voir comment on peut aller plus sur ces questions de la place des collines dans l'aménagement. Bien sûr, merci beaucoup à Michel pour le panorama extraordinaire de tout à l'heure, parce que tu nous as fait visiter plein d'endroits et avec des points de vue très intéressants. C'était très enrichissant, très surprenant. Bien sûr, Loïc, on en a parlé tout à l'heure. Et paradoxalement, c'est peut-être vous qui avez réussi à faire le lien entre le paysagisme et le génie urbain. Directement, c'est voulu ou pas voulu, je ne sais pas si notre échange téléphonique avant a permis de cela, ou c'est votre conviction profonde, mais je pense qu'on pourra approfondir encore plus nos échanges. Vous côtoyez peut-être trop d'ingénieurs. Non. Oui. Et du coup, c'était très intéressant, parce que quand vous commencez votre présentation par dire les ouvrages linéaires, c'est un terme que j'utilise souvent pour les réseaux d'assainissement, pour les réseaux d'eau potable, et en disant à Paris, il y a 2100 km d'égouts. Voilà, 2100 km d'égouts, ce sont des ouvrages linéaires. Voilà, et du coup, c'est un point de convergence très important. Et je pense, Henri Bava parlait des infrastructures. Les infrastructures linéaires, c'est vraiment quelque chose, cette question de linéarité parle à beaucoup d'acteurs, les paysagistes, les ingénieurs et d'autres. Voilà quelques commentaires par rapport à notre session qui était très riche et très enrichissante. Je vous remercie.